de la route en race du Grand Offshore ce matin sur la Cano. Bonjour à toutes et à tous. C'est bon lundi, un lundi qui commence avec un temps qui est variable et assez doux. La température extérieure est à 9 degrés, la température de l'eau 13-14. Cet après-midi, temps couvert, température à 14. On est sur une marée qui monte, le plan haut est à 13h30 avec des bigouis qui sont de 49. Sur ce début du montant, le vent s'est levé, toujours sud-est, il est modéré à soutenu maintenant. 2 à 3 beauforts au bord, 3 à 4 sur le large. Au bord, le plan d'eau est ridé, sur le large, c'est clapot à peine moutonné. Les phases de vagues sont ridées à lisse, la houle est sectionnée, pas très très jolie. Une houle longue de 12 secondes de période orientée ouest à sud-sud-ouest. Elle est à la hausse. Là, vous voyez les grosses séries en 20 minutes de check. J'en ai vu une seule. Elle tourne sur la bouard Cachon-Gascogne à 3h du mat à 2,59 secondes. Et là, en taille de vague ce matin à la Cano, il y a 1,20 m de ferlement régulier. Les séries qui rentrent fréquemment, c'est 1,50, 1,80. Et de temps à autre, on commence à voir le 2 mètres qui rentre là, sur le large, là, en début de vidéo. Pas terrible, très en pic, désordonné, c'est très fermant, même si là, à la digue sud, là, par moment au bord, il y a des boues, mais c'est très 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 rare. Mais par moment, il y en a une, mais bon, c'est pas terrible, en plus, la marée monte, ça va pas s'arranger. La barre est facile à franchir, les vagues sont quand même sélectives à réserver pour des surfeurs confirmés, il n'y a personne à l'eau, quelques personnes qui checkent. L'évolution pour le reste de la journée, c'est un train de houle qui va grossir. Au dernier check, la bouée Tartachon-Gascogne est à la hausse à 2,70 et 9 secondes. Pour ce qui est du vent, il va se renforcer au sud-sud-est à la mi-journée, revenir sud-est et faiblir cet après-midi. Les prévisions à 13h, c'est 2,30 m. Ouest à sud-sud-ouest, 12 secondes de période, vont de sud-sud-est à 4 beauforts. En face du Banana Surf Shop, Café and School, la Cano Surf Club, là-bas, il y a quelques vagues au bord par moment, mais c'est rapide, c'est pas terrible. Et les prévisions à 17h, 2,50 m, ou d'ouest à sud-sud-ouest, qui prend la période, 13 secondes de période, le vent revient sud-est et se calme 2-3. À surveiller à la Cano avec la marée montante, peut-être que ça va s'arranger, mais c'est pas fou, ça va pas être fou, je pense. Il y a des petits coefs, là où les longues, pas très bien orientées, les bandes de sable sont pas incroyables. Je pense que l'option mobilité est la plus favorable. Le prochain point sera à 11h30, on va checker.